Salut à tous, ici Mister Wouhou. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons continuer Animal Crossing. Non, Grossing, pas Crossing. Grossing, en espérant de ne pas dépasser trop le temps. Ah oui, en parlant de ça, je vais mettre mon minuteur si je retrouve mon... Pourquoi j'ai oublié ? À chaque fois que je me dis, mais oui, c'est juste, je dois mettre le minuteur. Quel imbécile que je fais. Pardon, excusez-moi. J'ai activé Voice Meter qui devrait peut-être un peu aider en fait pour le niveau du son. Je sais pas si ça va aider forcément énormément, mais on verra bien. Hein. Si ça aide bien, tant mieux. Si ça aide pas, bah tant pis. Ça doit quand même légèrement un peu aider. Hein. Ça doit faire un traitement derrière. Alors, voyons voir, qu'est-ce que je voulais faire encore. Ah oui, voice met le son, le compte à rebours. Voilà, c'est bon. Donc, 17 minutes et quelque chose. Mais... C'est bon, c'est fait. Facile. Let's go, Evoli, let's go. Voilà, donc je récupère ma commande que j'ai fait il y a quelques jours, peu importe. Donc hier, hein, on a été chercher ça ensemble hier. Bon après vous aurez ça un peu plus tard, mais voilà, on a été chercher ça ensemble. On va un peu parler au villageois qu'il y a. Je vais aussi me mettre correctement pour pas être mal mis parce que là, je suis en train de me déshabiller en même temps sans vouloir. Là, là c'est déjà un peu mieux. Bon je sais pas, j'ai pas fait attention à ce qu'il dit, mais ça va, il a une glace en main, donc je pense que ça a l'air de aller. Hein. S'il a une glace en main, c'est qu'il est. Il a l'air d'être content. C'est ce qu'il compte. Je pensais à acheter Pokémon épée aussi, si ça vous intéresse. Ça vous intéresse que j'achète Pokémon épée ou bouclier? Bon, je sais, je parle un peu dans le vide parce que pour moi, il n'y a jamais personne qui me répond dans les commentaires. C'est un truc de taré à quel point il y a du monde. Et bon, au cas où si un jour quelqu'un répond, ben c'est bien, c'est lui qui gagnera le point Golden, entre guillemets, parce que c'est le seul qui aura répondu à mon message. Félicitations, jeune Padawan, tu as répondu à un wouhou coquin abandonné de tous. Tu es un homme, tu es un vrai, tu es une gentille personne, tu es vraiment trop génial. Trop cool. Ah oui, quand même, il est fort près là, le micro quand même. Là, si vous m'entendez pas, je comprends pas ce qui se passe, hein, parce que je vais pas non plus crier. Je parle normalement, ok, je dois quand même parler et quand même qu'on m'entende, mais je vais pas non plus crier. Donc ça, je sais que je dois faire attention, c'est que je dois parler quand même assez fort. Et je dois pas commencer à parler comme ça, par exemple. Non, je dois parler avec quand même un certain niveau de voix, quand même, pour pas... Je vais essayer de m'y habituer, je promets, Ouais, je promets, je vais essayer de faire attention et de m'y habituer et d'essayer de parler assez fort pour que vous m'entendiez correctement avec le micro, tout simplement, puisque c'est avec le micro que je fais cet enregistrement logique pour meilleure qualité. Bon, soit. De plus que là, j'ai activé Voice Meter, donc ça va peut-être aider un peu pour la saturation. Après, ça n'aide pas non plus au maximum de la morphitude, hein. Donc je veux dire, il y a un certain seuil de niveau que si je commence à crier comme un mec qu'on est en train de décorger, MDR, ça va saturer quand même. Mais disons que dans la normalité, quand je parle correctement comme ici, normalement c'est censé être un peu moins saturant, j'ai remarqué. Donc est-ce que c'est une impression que j'ai? On verra bien au moment du montage. D'accord. Donc là, officiellement, parce que hier, dans mon autre épisode, j'ai dit comme ça, ah ouais, en fait, je l'avais, mais non, je l'avais pas justement. Donc des fois, je m'en mêle les pinceaux à un niveau pas possible, c'est normal, il faut pas vous inquiéter. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer tout simplement. Il faudra vraiment que je désherbe tout ça. Mais pour le moment, j'ai pas d'idée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller visiter des zones, des villes. Des villes, peu importe. On va aller visiter des endroits. Ça va peut-être faire plaisir à des gens. Peut-être que des gens veulent être filmés, je sais pas. Mais on va aller voir s'il y a
des gens chez moi. On verra bien, ça, ce sera surprise, surprise. Alors, faire une donation. Plutôt exp... Oula, nique ta mare. Oula, nique ta mare. Plutôt expertiser, mon petit chou. Expertiser. Alors, tu m'expertises ces trucs-là, et puis je vais aller les revendre comme une grosse salope derrière ton dos. Ça te va? Voilà. Oui, parce que je vais revendre. Hein. Moi, je m'en fous un peu du. Allez, du. Puis c'est quoi? Allez, comment? Du bureau, voilà. Mais j'ai la flemme de. Même réfléchir, j'ai pas envie. Du musée, voilà. Je m'en bats un peu les ouf, la quête du musée. Moi, sincèrement, ça m'intéresse pas du tout. Mais ça. Je suis en indifférence totale avec ça. Je m'en fous complètement du musée. Il m'intéresse pas. Surtout que de toute façon, tout le monde l'a, donc faut te dire, ouais, c'est pour que les gens qui viennent chez toi se disent « Oh là là, il a passé sa nuit à compléter ce truc, c'est magnifique !» Je m'en bats les gros plaquettes, c'est pas du tout mon fantasme de compléter un musée qu'à le faire lui-même, et puis c'est tout. Bah c'est surtout que chez moi, ça n'apporte pas vraiment grand-chose, j'ai l'impression, donc c'est quoi le déformer. Bon bah tu sais quoi, je vais récupérer pour le revendre. J'ai tendu un tout, je présume que c'est tout mon Discord. Ouais bah écoutez, le jeune homme qui est sur mon Discord, il attendra parce que je suis en plein vidéo là. J'espère qu'ils vont pas trop casser les pieds parce que on est occupé là. Alors échange. Non, parce que je vous dis pas, il y a beaucoup de gosses qui s'amusent à tout simplement venir sur mon serveur pour foutre la merde. Et ça me fait rire. Non. Oui. Alors, je sais pas si je l'ai, mais je vais le prendre quand même dans le cas, au cas où. Ça me dit rien. Le logo me dit rien, donc je me dis peut-être que je l'ai pas. Donc, on va pas se casser les culs. De toute façon, j'ai de la thune assez pour... Je veux dire, les 3000, ça se rend, dans le jeu, ça se rentabilise à une vitesse incroyable, donc on s'en fout un peu. Hein. Je collectionne ces disques parce que c'est rigolo, et après comme ça, quand j'aurai d'autres emplacements, bah, j'aurai toutes les musiques. Et puis ça, c'est sympa à faire, tu vois, parce que... Enfin, vous voyez, pardon. Parce que c'est simple à mettre en place. Du coup, c'est plus simple. Donc, c'est vraiment mieux, quoi. Oui, coucou. Oh, intéressant. Ah oui, je voulais revendre des trucs à toi. Ah, il y a pas mal de trucs que je dois revendre, mon pote. Parce que, purée, qu'est-ce que j'ai des trucs à revendre. Oula, on se calme, là. La direction, là. Tu fais ce que je te dis, s'il te plaît. Parce que là, t'es en train d'être décident, là. Je peux appeler les WFB si tu le souhaites. Ouhou. Marché conclu. Eh, hey, vous voyez? Ça va. C'est quoi ça? Ça m'intéresse. Glacière. Bon bah les couilles. Non, j'ai con. Non, mais dans la vraie vie, j'en ai besoin d'une de glacière. Parce que ici j'en ai une, mais c'est pas une automatique. Et j'ai vu qu'à Mediamark, en fait, oui, je raconte ma vie, je suis comme ça, c'est comme ça dans mes let's play. Parce que je sais pas quoi. En fait, c'est ça le problème, c'est que je sais pas quoi dire. Ça m'intrigue, ça m'intéresse de faire du gameplay, c'est pour ça que j'en fais. Mais après, c'est vrai que je suis pas trop un pro de dégage de la vidéo INC. Donc voilà. Ce qu'on va faire du coup, je devais faire un truc. Je voulais faire quoi? Non mais sérieusement, je voulais faire quoi moi? Bon, vous savez quoi? Avant que je me rappelle ce que je voulais faire. Ouais, c'est vrai, je voulais faire quelque chose, mais je ne sais plus quoi. Donc, je sais pas, je comprends pas, je voulais faire quelque chose. Ah, là, apparemment, on a mis... Bah, tu sais quoi, je vais acheter des matelas. C'est ça. Allez, donne-moi du papier peint, on va regarder ça ensemble, ce qu'elle propose. Oui, on s'en fout de ta vie, vends-moi des trucs. Allez. Oui, c'est ça. Tiens, Funas. Oh, ma petite Funas. Oh.
Allez, prends une petite tunasse. Ah boum. Tout de suite. Oui, on s'en fout de ta vie. Papier mystère. Non, j'ai déjà acheté. Mais arrête de... Parce que mon Discord me stresse. Je présume que le gosse s'est tiré, quoi, parce que t'es un troll, hein, j'ai lu le truc, c'est sûrement un troll. Bon, veuillez m'excuser, je vais vérifier qui c'est, parce que ça m'a... Un imbécile, quoi. Ouais, tu, voilà, tu pars déjà. 7 minutes, ouais. Voilà, c'est tout ce qui... Ça, c'est là que tu vois que c'est des trolls. Les mecs, ils savent même pas attendre. Nick the Source. Ouais, déjà, alors, son pseudo, ça prouve déjà que c'est un troll. Voilà, quoi. Voilà, je le bannirai plus tard. Je banne tous ces gens-là, parce que c'est sûr et certain que c'est des trolls. Je vérifierai son truc avant de bannir. Mais de toute façon, je le dis, hein, mais si vous n'êtes pas Fury ou vous n'êtes pas intéressé dans le Fury fandom et tout ça, et que vous êtes juste là pour foutre la merde, c'est bon débarras, quoi. C'est ban direct. Ça sert à rien de tenter quoi que ce soit, parce que quand vous... Ah, j'arrive plus à parler, ah. Quand vous venez sur mon Discord, en fait, il y a une sécurité. Vous passez la première... Il y a deux sécurités. Vous passez la première sécurité. Eh ben, ce qui se passe, c'est que... Il y a une première sécurité de non validé. Ça te valide. Ça, c'est le bot en tapant un Carpaccia qui te valide. Mais après, tu as le grade, toujours. Tu as toujours un grade non vérifié. Non, en fait, c'est l'inverse, je me cours. C'est plutôt non vérifié et puis non validé. Oh, soit l'un, soit l'autre, mais en tout cas, vous en avez deux. Et à ce moment-là, en fait, vous avez juste accès à un seul channel, c'est le non vérifié ou non validé, je sais plus lequel, il me semble que c'est non validé, mais je suis plus sûr. Et du coup, parce que je suis occupé à faire des vidéos là, donc du coup, j'ai pas que ça à penser à faire. Et comme les deux, c'est à peu près la même chose, on peut un peu s'en mêler les pinceaux. Enfin, peu importe, et du coup, en fait, la personne peut demander ou attendre. Je sais pas, c'est un peu attendre le temps que... Ou attendre au moins 24 heures. C'est pas compliqué si elle veut vraiment être... Non, ces gens-là sont pressés. Surtout que j'ai marqué hein, dans le truc. Comme quoi, il faut attendre une modération, tout simplement, vienne vous valider manuellement. Donc, c'est marqué. Mais ces gens-là ne savent pas attendre, ils se cassent aussi vite, donc c'est des trolls, c'est juste des gens qui vont juste s'amuser à spammer. Alors que ça sert à rien parce que j'ai assez de sécurité, j'ai des bots qui modèrent et qui bloquent automatiquement les spams et tout ça, donc ils font... du coup, ce qui se passe, c'est qu'après ils font semblant de rien, en pensant qu'on n'a rien vu, alors qu'on a les logs. Et du coup, hop, ils se font van, ils disent « Ah merde, je me suis fait prendre, oh, fais chier, mais j'ai rien fait. » Bah si, connard, t'as spammé des trucs bizarres avec des messages bizarres et tout pour faire laguer, pour faire... Mais c'est juste que mon bot était efficace, mon dino machin. Et bah, comme un gros bâtard, bah, je t'ai foutu une bonne claque dans la gueule, connard. Non, sincèrement, ça me fout la haine, les gens qui viennent me foutre la merde sur mon Discord Fury. C'est des anti-Fury la plupart du temps, mais... Ils pensent vraiment que je vais abandonner, mais vous me connaissez pas, les gars. Je suis un Wouhou coquin de chez Wouhou Coquinou Mania, ultra solide. Jamais vous me ferez fermer mon Discord, jamais. J'abandonnerai jamais mon Discord. C'est mon bébé, mon Discord. Donc, et surtout que de toute façon, vous savez rien faire. Comme j'ai dit, il y a une sécurité. Et si vous venez comme ça, je vous banne automatiquement. Donc, c'est même presque un temps instant la plupart du temps. Parce que si vous prouvez pas que vous êtes bonne foi et tout ça, bah, vous êtes ban. C'est tout. Donc, ça sert à rien de venir sur mon Discord. Quoi, en vrai. Bon, ça c'était le petit moment rage. Parce que j'en ai beaucoup qui sont venus troller. Donc, par finir, t'en as un peu marre, quoi. T'es un peu énervé de ces gens-là. Vous allez me dire, c'est tout à fait normal. Donc voilà. Les furies, vous êtes le bienvenu. Mais faites pas les cons. Je suis sensible. Je peux ban facilement si vous vous foutez de ma gueule. Comme par exemple,
Ne faites jamais le coup du genre ah, c'est quoi un furry et tout ça, parce que là c'est ban direct, c'est même pas réfléchi. Parce que un vrai furry sait que ce que c'est furry, il sait c'est quoi le furry fandom et tout ça. Jusqu'à maintenant, c'est des gens comme ça que j'ai eu surtout aussi. Et du coup, c'est par la suite, j'ai une amie, un ami qui m'a dit ah ouais, mais non, mais c'est pas lui que je dois parler, je fais n'importe quoi. Ah oui, mais en fait, tu sais quoi, j'aurais déjà banni ce gars depuis longtemps en fait, parce qu'il se fout de ta gueule en fait. Et je me dis ah bon. Et moi comme un con en fait, j'étais trop gentil en fait. J'essayais de lui expliquer carrément tout en fait, mais moi je pensais, je voulais être bonne foi, hein. Mais non, apparemment c'est des trolls. Parce que c'est vrai que techniquement, j'ai tout marqué correctement, la personne parle français. J'ai écrit en français dans la pub, dans la pub, je veux dire la pub sur Disboard, hein, quand tu donnes pub légale, hein, je spam pas. Et du coup, si vous voulez, bah, du coup, c'est marqué que c'est un Discord furry. C'est pas un truc camouflé. Et après, hop, vous venez sur le Discord et vous découvrez que quand... Oh, c'est bizarre, c'est un Discord furry. Il l'avait pas dit. Non, non. Vous êtes bien mis au courant au début avant d'aller sur le Discord. Donc, vous n'avez pas d'excuses. Donc, c'est pour ça que je vous dis que les personnes qui viennent, c'est juste. On va vérifier ça ensemble. C'est juste des trolls, en fait. C'est juste des gens qui ont pas de. Qui ont pas de vie, et c'est triste quand même que d'avoir des gens comme ça qui n'ont pas de vie, quoi. Ça, d'un côté, ça me mêle tellement de la haine parce que je me dis putain, mais ils me font chier, et de l'autre côté, j'ai pitié en me disant, mais putain, mais ils sont vraiment mis une vie de merde à ce point là pour ils sont vraiment chiés à ce point là pour faire chier leur monde. Ah, oh, c'est très beau. Bon, après, tu vas me dire, c'est un peu bizarre quand même comme ambiance. Mais c'est très joli, d'accord. Autant pour moi. Bon, bah. Yes. Est-ce que je peux l'entreposer? Est-ce que j'ai de la place? Oui, c'est gagné. On va aller visiter. Bon, comme d'hab, je vais prendre plus de temps que prévu, mais bon. Ah merde. On va aller visiter un truc. On va aller voir s'il y a déjà quelqu'un. Et on va les visiter du coup. Je pourrais ouvrir aussi ma chambre, je veux dire. Ma zone. C'est un peu chiant quand même de devoir courir de l'autre côté du bout de la map pour aller jeter un truc. J'aurais foutu une poubelle plus près en fait. Oui, oui, je veux jeter des trucs. Allez, jette-moi cette connerie. Bon, on va aller voir. Bon, si ça se peut, ça va bientôt sonner mon iPhone. Mon appareil. On va arriver à la fin. Il me semblait on était à 8. Ici, on doit déjà être à 2 ou quoi. Tant pis, c'est pas grave. Je vais vérifier, je vous dis ça tout de suite. Ah, c'est ça. 30 secondes. Parce qu'on était, il restait plus que 30 secondes. Bon bah, les épisodes dureront 25-30 minutes. Je peux pas faire autrement, c'est ma personnalité. J'arrive pas à faire moins court parce que je parle de trop, j'ai trop de choses à faire et je peux pas faire plus court en fait. Et surtout que après, je retire cet appareil, je retire ce truc. Donc c'est un peu chiant quand même de devoir. Enfin, j'aime bien faire des épisodes de 30 à 35 minutes, ça me va. Donc y a pas de problème en fait. Allez voir quelqu'un, oui, je voudrais aller voir quelqu'un s'il te plaît. Ça me dérange pas, ça prend plusieurs heures pour les faire, mais je m'en fous, c'est rien. C'est marrant, c'est sympa à faire. Enfin, après, en fait, il y a juste à attendre le rendu, c'est bon quoi, c'est pas si compliqué que ça. Ça va, c'est pas la mort. C'est sympa. Et maintenant, avec Voice Meter, on va voir qu'est-ce que ça donne comme qualité le son. Ça va, normalement, ça aide en fait au niveau des. Ben, comme j'ai dit, pour éviter que ça sature en fait. Ça permet d'une meilleure gestion en fait du micro. Merde, j'ai fait dans ma liste alors que ben, en fait oui. Ça permet une meilleure gestion quoi. Oh, juste alors, on dirait qu'il n'y a aucune idée. Ah, ça fait quoi? C'est vraiment dommage. Et on a fait quoi? Parce que j'ai pas compris ce que j'ai fait en fait. J'ai fait quoi en fait? Parce que j'ai pas compris. Bon, déjà, est-ce que j'ai quelqu'un en ligne? Ce serait sympa de savoir.
Ah oui, j'ai l'outil. Bon, attends, on va recommencer une fois, on va voir. Je veux voyager. Aller voir quelqu'un. Parce que je suis pas sûr de ce que j'ai fait en fait. J'ai un peu des doutes. Ou en ligne, oui, bah oui. Okidoki. Sauvegarde en cours, veuillez patienter. Je vais patienter. Ah non, non, c'était bien, ça c'est bon, je me suis pas trompé. Ok. Non, j'ai pas fait. J'ai pas dormi super non plus longtemps, donc bon, bah tant mieux, hein. On a fini du coup, on a terminé, bah tant mieux, bah écoute, dommage. On a terminé la VOD, c'était bien. C'était court, mais. Oh, j'ai envie d'être un peu plus long, c'est pas grave. Les Animal Crossing vont être un peu plus longuettes. Non, en fait, j'ai plus rien d'autre à faire, en fait. Ouais, c'est ça, en fait. J'ai plus rien d'autre. Bon, ben voilà, en fait, on a fait le nécessaire. Comme d'hab, je me suis un peu plaint. C'est un peu rigolo de m'entendre plaindre pour des conneries, mais bon. C'est la vie. On va aller voir ce que la personne propose et on va bientôt se quitter. J'ai pas une ville de ouf, mais en fait, je suis coincé, moi. Je sais pas. Il y a pas. J'ai pas le machin qui se débloque, en fait. Oui. Ok, c'est bon, j'ai tout vu. T'intéresse pas. Au revoir. Oui, au revoir. C'est bon, c'est bon. J'ai tout vu. Peut-être que l'autre plus tard, mais encore une fois. Ah, mon avermétia clignote. Ça veut dire qu'on a des. Bon, en fin de compte, j'ai pas besoin du truc parce que mon avermétia clignote plus vite là. Donc je sais qu'on a dépassé les 24 minutes. Ou 23, ou on arrive à 23, 24 minutes. Donc je sais que ça commence à faire 2 gigas et quelque chose. Donc. J'ai plus ou moins un aperçu en fait de niveau de taille en fait d'enregistrement en fait. Donc je me casse pas, j'aurais pu me casser le cul en fait tout simplement. C'est clair que ça sert à rien. Donc ce qu'on va faire c'est que dorénavant je vais me fier à mon avermédia. C'est beaucoup plus pratique. Donc je vais plus me casser le cul avec mon iPhone. À mettre un retardateur quand je verrai que le truc, puisque de toute façon je check à chaque fois, j'ai retiré mon radiateur donc je vois maintenant là il clignote à une vitesse un peu plus accélérée pour dire attention, ça va être un gros fichier, c'est tout, hein, il dit juste ça. Je peux continuer à jouer, il n'y a pas de problème, hein, mais c'est juste que bah, ça va faire 4-5 gigas par la suite, ça va être gros quoi, et du coup il clignote plus vite pour dire attention. Ça fait déjà 3 gigas parce que voilà c'est lourd blablabla. Donc il prévient quoi, pour me prévenir que je dépasse 23 minutes quoi. Mais pour vous mes amis, ouais c'est ça, on a dépassé 23 minutes, enfin on a dans les 24 minutes environ. On va aller vérifier un truc avant de se quitter. C'est d'aller vérifier en fait si j'ai débloqué un truc. C'est pas trop. Pour vous montrer où j'en suis, si vous savez m'aider. Parce que voilà, je suis bloqué. Moi, dans Animal Crossing, je suis bloqué. Donc voilà où je suis. Bon, jour 10 ans. Ah ok, il faut appuyer. Je dois faire quoi? Voilà, je sais pas qu'est-ce que je dois faire. En fait. Quand il dit ça, qu'est-ce qu'il veut que je fasse en fait? Récupérer des habitants? J'ai essayé aussi, ça marche pas. Des fois, j'ai voulu récupérer un éléphant. Il m'a dit peut-être, je sais pas. J'avais en plus des. Normalement, les deux messages venaient dire plus ou moins la même chose. J'ai pris le dernier, il me semble, celui-là du bas. Et il a dit que. En bref, il s'en battait les couilles, j'ai l'impression, l'éléphant. Donc, je sais pas. Je comprends pas. La réputation de l'île. Vous voulez savoir quelle est la réputation de l'île?
Actuellement, elle a une étoile. Les gens disent que nous pouvons encore améliorer dans le bien domaine. Laissez-vous dire dans... Mais oui, mais comment on fait pour améliorer la réputation de cette ville? Voilà, donc j'ai besoin de votre aide pour ça, parce que j'en sais rien du tout comment on fait, j'y comprends rien. Est-ce qu'il faut faire venir des gens? Apparemment, c'est ce que j'ai compris, agrandir les parcelles, recruter des gens. Le problème, c'est que je peux recruter personne, puisque en fait, le souci, c'est que y a personne qui vient quasiment. Et quand il y a des gens qui viennent, c'est des mochetés. Et je veux pas de mochetés, moi. Y a rien à faire, je supporte pas de prendre des mochetés dans. Du coup, ça prend 10 ans. Si c'est ça que vous allez me dire, que c'est juste parce qu'il faut récupérer 3 ou 4 personnes, à ce moment-là, c'est ça va. Alors, c'est juste que ça prendra 10 000 ans parce que. Je sais pas, je suis le peuple des mochetés. J'ai que des mochetés qui viennent ici. Hier, on a eu une belle mochetée. Voilà, c'est la roi des mochetés. Mais non, c'est hors de question, je prends pas de mochetés, moi. Donc, je veux que des beautés. Wow, au moins des gens corrects, quoi. Ah bah c'est bon, hein, du coup on a fait le nécessaire. Petit muse-muse. Non. Non plus. Oh maintenant j'ai des tocs. Génial. Non, ce que je voulais c'est avoir non plus. Ah. Oui voilà. Ah ça marche pas, c'est cassé. Ah voilà, ça c'est bien. Donc je vous dis à bientôt, c'était Mister Wouhou de Tutum. Et je vous dis à bientôt. Et portez-vous bien! Ciao!